monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo AliExpress. C'est parti. J'ai acheté sur AliExpress des petits objets qui viennent au compte-gouttes. Donc là, je viens d'en avoir deux en même temps. C'est justement Mathéo et Léa sont avec moi parce que c'est quelque chose qui est... chacun aura un petit colis. Donc, ils vont le découvrir. On va bien voir si ça leur plaît. Et ben, c'est parti. Allez, à toi, Léa. Pour moi, c'est un short noir avec des petits points blancs et voilà. C'est très joli. Oui. Je lui avais déjà acheté la même chose en rose et blanc. Et bah franchement, impeccable, ça ne bouge pas et c'est parfait pour l'été. Et donc l'autre en... C'est violet et blanc et c'est aussi joli. Ouais, c'est vraiment tout mignon, tout beau. Voilà pour Léa. Et pour Mathéo... Alors, t'as compris ce que c'était? Oui, c'est une clé USB manette. C'est une clé USB en 8 go. Les prix, je vous les mettrai, hein, vous inquiétez pas. Au-dessus de la tête des enfants. Voilà. Et donc, bah voilà, c'est une clé USB. Hop, on la referme. Il en avait besoin pour la troisième au collège en 8 go. Donc, et ça fait stylé quand même, comme une petite manette, comme une vraie petite manette. Et, mais ça marche pas, celle-là. Et ben non, celle-là ne fonctionnera pas avec la PS4. Et elle est impeccable. Voilà. Et donc, nous, on se retrouve tout de suite parce que j'attends d'autres colis. Donc, la vidéo continue. Je serai peut-être toute seule ou avec un des enfants. On se dit à tout de suite. Bisous. Coucou, on se retrouve tout de suite maintenant. J'étais avec les enfants. Vous me retrouvez toute seule. J'ai reçu à nouveau des colis AliExpress, donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite maintenant, go. Pour moi, j'ai reçu une agrafeuse que j'ai commandée parce que j'en avais besoin d'une, je n'en avais jamais eu et j'en avais vraiment besoin pour accrocher... des choses, des feuilles, voilà, donc j'en suis très contente, bien arrivée, bien emballée dans son petit paquet. Je l'ai pris en rose, il y avait plusieurs couleurs, c'est la marque Deli, voilà, c'est une agrafeuse qu'on peut également trouver en France, hein. Voilà, et donc c'était l'agrafeuse plus deux boîtes d'agrafe. Il y en a 1000 dans chaque paquet. Voilà. Et j'en ai eu deux. Voilà. Pour les enfants, ils avaient besoin d'une trousse. Donc Léa a choisi la sienne. Et la voilà. Elle est toute belle. Elle est toute mignonne. C'est un petit chat qui danse. Voilà, so cute. Et à l'intérieur, donc elle est en dur. Hein. C'est une boîte... je ne sais plus si c'est comme un étui. Voilà, donc elle l'aura comme ça devant elle. Donc là, elle pourra mettre ses petits objets, ses petits crayons, ses petits machins. Là aussi, elle peut mettre des crayons. Il y a de quoi ranger. Et ici, vous avez une zipette. Donc, je pense qu'elle mettra dedans hein, de la colle, la chiffonnette pour l'ardoise. Voilà, c'est tout beau, c'est tout mignon. J'aime beaucoup. Et Mathéo a également choisi la sienne. Donc là, je suis un petit peu plus déçue parce que sur la photo du vendeur, ça faisait vraiment trousse bien gonflée, bien remplie, plus grande en tout cas. Mais bon, il n'est pas déçu, lui. Donc tant mieux. Donc là, il y a un petit zip. Sur le devant, ça fait comme une trousse basique. Voilà, on ne peut pas l'ouvrir plus. Et derrière, par contre, c'est un peu le même style que celle de Léa. Avec des petits rangements, voilà, ciseaux, je sais pas, compas, voilà, il trouvera toujours de quoi ranger, un gomme, machin. Et donc, voilà. Après, je l'aurais trouvé. Donc, j'avais fait il y a quelques années des étiquettes personnalisées sur c'est mon étiquette ou je sais plus, enfin, voilà. Et c'est vrai que ça m'avait coûté pour... c'est super bien, ça, il n'y a pas de souci. Très bonne qualité, rien à dire, incroyable. Mais c'était du genre, je crois, une vingtaine d'euros
pour 100, 100, 100 étiquettes personnalisées au prénom de l'enfant. Hein. Et je voulais refaire ça cette année parce que c'est vrai que c'est hyper pratique, sachant qu'à l'école, tout doit être étiqueté, chaque feutre, chaque crayon. Ça fait beaucoup. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah, faut recommencer. Pareil, le collège, bah, il faut quand même noter chaque truc. Bon, donc je me suis dit, Céline, il faut essayer de voir ça si tu ne trouves pas sur ton petit site préféré. Et j'ai trouvé. Donc, pour Léa, d'ailleurs, elle en a déjà mis un sur sa trousse. Alors, je vous cache le nom. Voilà. Donc, Léa. Donc, voilà. Avec une petite licorne, Léa, et donc ça colle parfaitement. L'étiquette, voilà, vous le verrez, elle est brillante, c'est vraiment pas moche du tout, et c'est parfait. Il suffit, donc j'ai bien regardé les avis, etc. J'ai pris un vendeur qui avait des très bons avis, qui avait des photos, parce que bon, ça fait un petit peu peur de se dire qu'est-ce qu'on va avoir, et en fin de compte, bah, c'est génial quoi. Et donc, ça arrive très bien emballé. Ça ne peut pas être plié parce que c'est une enveloppe qui est dure, qui est cartonnée. Hop, vous défaites. Et donc, voilà, là, je vous montre d'un peu plus loin. Donc, il y a deux planches. Et c'est super. Elles sont brillantes. Elles sont parfaites. Il suffit qu'au moment de la commande, avant de mettre payé, il y a toujours note au vendeur, et là bah, vous mettez le prénom, le nom, ou que le prénom, hein, vous choisissez, de l'enfant, et puis bah, impeccable. Donc pour Léa, j'ai pris licorne, un peu couleur pastel, donc il y a plusieurs sortes, on a la licorne toute seule, on a avec un arc-en-ciel, on a celle qui boude, celle qui fait un petit peu princesse, c'est très bien, et plusieurs tailles. Comme ça, pour les livres, les crayons, je vais utiliser toutes celles qui sont petites. Voilà. Non, c'est super. Pour Mathéo, je lui ai pris en bleu. Voilà. Par contre, là, la même taille. La même taille. Je vais vous montrer de plus près. La même taille. Voilà. Et puis, bah, là, bah, c'est le même vendeur. Donc... pareil, j'ai mis le nom, le prénom, et puis et ça a été envoyé extrêmement vite. Donc, bon, j'en suis bien contente. Voilà, et elle colle, ce qui est le plus important. Très bien, rien à dire, c'est parfait. Par contre, Mathéo, c'est la même taille. Donc, bon, ça ne me dérange pas non plus, hein. C'est plus pour un ado. Il y a moins de choses à marquer quand même, mais il faut parce que ça se perd vite. On ne sait pas à qui c'est. Donc voilà, les parents savent. donc voilà, j'attends encore d'autres colis, mais ils ne vont pas arriver tout de suite. Donc je pense que cette vidéo, je vais vous la mettre rapidement. Comme d'hab, on n'hésite pas à s'abonner, on like la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !